La guerre contre Daesh en Irak, en Syrie est vue par les pays musulmans. C'est l'occasion de savoir ce qui se dit dans la presse, sur Internet, euh, dans ces pays, à commencer par l'Algérie, où les recherches se poursuivent, vous le savez, pour retrouver notamment le corps d'Hervé Gourdel. Alors, Katia Gilder, vous avez la bonne idée d'aller décortiquer la presse algérienne ce matin. Que dit-elle de tout cela eh bien, elle s'interroge sur les nombreuses zones d'ombre, notamment sur l'endroit exact où a été assassiné Hervé Gourdel. El Watan Weekend consacre tout un dossier sur le piège d'Ache. On va voir la, la une voilà, d'El Watan Weekend. La traque se poursuit en Kabylie, dans une zone montagneuse entre les villes de Bouira et Tizi Ouzou, pour tenter de retrouver le corps de l'otage assassiné. Ainsi que ses ravisseurs, plus de 3000 soldats algériens seraient mobilisés, ainsi que des hélicoptères équipés de caméras haute performance, nous dit le journal, en vain pour l'instant. Et puis cette question choc posée toujours par El Watan le week-end, en coopérant avec les États-Unis et l'Europe. L'Algérie devient-elle une cible privilégiée pour le terrorisme international? Peut-elle devenir un nouveau Pakistan? C'est la crainte qui s'exprime au lendemain du choc, la crainte de voir le pays glisser sur une pente qui a fait du Pakistan, euh, un pays où l'État central est incapable de contrôler euh, son territoire national. La crainte aussi de voir ressurgir les années noires 1990-2001 et ces 250 000 morts. Ces questions, il faut se les poser sinon des têtes d'innocents continueront à être décapitées dans ce pays qui risque de perdre tout, écrit Adelaine Mehdi dans un édito au Vitriol. Question aussi à la une du quotidien Liberté, autre grand quotidien algérien. Comment ce coin d'Algérie la Kabylie qui a vu naître le premier noyau de la résistance contre l'islamisme armé à des milliers de kilomètres de Bagdad a-t-il pu être le théâtre du premier acte à résonance mondiale écrit le quotidien questions beaucoup de questions sans réponse pour l'instant. Alors on revient à la guerre même lancée contre Daesh